Petite vidéo pour vous apprendre à chercher dans le cadre de votre programmation. La première astuce, c'est d'abord de taper le nom du langage de programmation. Alors si je fais du PHP, je tape PHP. Euh, et après, la deuxième astuce, c'est de le faire en anglais. Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations de qualité en anglais. Comment boucler sur un tableau donc je trouve ces résultats. Troisième astuce, il faut que vous ayez une culture générale des sites qui peuvent vous aider. Ce sont souvent les mêmes qui reviennent. Quand on tape sur PHP, il y a souvent le site officiel de PHP. Il y a un site qui s'appelle W3School qui est très bien pour les débutants parce qu'il existe et parce qu'il l'explique de, euh, de façon très concise et très claire. Après, il y a... Un autre site qui revient souvent, c'est Stack Overflow. Stack Overflow, c'est un site qui va vous répondre de façon très précise. A priori, toutes les questions que vous pouvez vous poser, elles sont déjà sur Stack Overflow. Donc, c'est pas la peine d'en poser. Vous pouvez créer un compte sur Stack Overflow et poser des questions. Mais attention, c'est un site qui existe depuis 2008 et quasiment toutes les questions sont déjà posées et Surtout, c'est que c'est n'est pas débutant friendly. Pourquoi Parce qu'il n'accepte pas les euh, doublons dans les questions. Donc il faut faire très attention, il faut chercher déjà euh, s'il n'existe pas la question sur le site. C'est très peu probable. Et si la, la question n'existe pas, vous pouvez la poser. Vous aurez plus de chances de poser des questions quand c'est des technologies euh, nouvelles qui sont émergentes.